vous retrouvez maintenant la foi prise au mot votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, la bonne santé de l'âme avec Jean-Guillaume Zéri, psychanalyste et essayiste et Alexandra Puponc Bortoli, philosophe et coach. Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, notre rendez-vous de formation chrétienne. Nous sommes dans le temps de l'Avent qui prépare à Noël et la liturgie nous invite à nous retrouver spirituellement, à approfondir notre relation à Dieu et plus généralement à nous préparer à cette fête de la sollicitude divine. Se retrouver, mais comment Est-il possible de prendre soin de son âme comme l'on prend soin de son corps Existe-t-il des exercices Y a-t-il un jogging de l'âme. Mes invités d'aujourd'hui affirment que oui et nous allons en parler avec eux et je vous les présente tout de suite. Jean-Guilhem Xéry, bonsoir. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, vous êtes essayiste et vous venez de, de faire paraître au Cerf la vie profonde, la santé spirituelle au quotidien. On va parler juste après de pourquoi vous avez écrit ce livre. Et puis Alexandra Pupin-Bortoli, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous, êtes, euh, vous êtes pardon, <laughs> philosophe et coach et vous venez d'écrire, c'est… je suis captivé par votre, votre jolie couverture, Le mal à l'âme, l'acédie, de la mélancolie à la joie, séparé aux éditions du CERF. Alors, je vais commencer par vous. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce, ce livre J'ai souhaité euh, réhabiliter un mot qui était méconnu et, et oublié, qui est le mot acédie ». Euh, J'ai été frappée de, de voir euh, à quel point, eh bien, des, des, je suis coach, donc j'accompagne des personnes, et à quel point certaines personnes que j'accompagne présentent des symptômes qui sont très proches de ceux qui sont décrits par les pères du désert euh, au IVe siècle ou Ve siècle, euh, concernant l'acédie, c'est-à-dire une hyperactivité une agitation qui peut mener à un sentiment d'errance ou de perte de sens, et puis d'un autre, autre côté, euh, une lassitude ou une fatigue ou une déprime. J'ai été frappée par le parallèle qu'on pouvait faire entre ces descriptions du IVe siècle et notre société d'aujourd'hui, donc j'ai voulu réhabiliter ce mot. – Donc on va revenir à cette question de la juste après que l'on présente le deuxième livre, donc La vie profonde, pourquoi est-ce que vous avez écrit ça, Jean-Guillaume Xéry et pour essayer de euh, d'avancer sur cette question de qu'est-ce que ça veut dire qu'être vivant C'est quoi être vivant Mais vivant pour de bon, pas mmh. simplement vivant un peu en mode robot, euh, vivant parce que je bouge mes bras, mes jambes, parce que j'ai des activités, mais vivant être assez vivant dique. en profondeur. <laughs> voilà. Ça veut dire quoi mmh. Voilà. Et, et donc c'est ça que j'essaye d'explorer dans ce dans ce livre, ouais. euh, toujours un peu en, 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 en proposant au lecteur de se mettre à l'écoute de la tradition des premiers siècles. Euh, des, des, des pères du désert comme, comme Alexandra, des, des premiers pères de l'Église où il y a dans le christianisme primitif un patrimoine de, de sagesse qui nous apprend à vivre mais, mais, mais à vivre pleinement, à vivre en profondeur. Euh, donc c'est ça que j'essaye de rendre dans ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être vivant et comment être davantage vivant donc, les pères seront nos guides pour, euh, ouais. pour cette émission. Alors, revenons à cette idée d'acédie, parce que j'ai trouvé ça effectivement très, très intéressant. Euh, mm -hmm. L'acédie, comme vous dites, c'est un, un vieux mot. On pense que c'est un, un, une affaire de, de vieux moines dans des, dans des déserts. Pas du tout, vous dites. Euh, on en a les symptômes actuellement. On en a les symptômes, mais revenons peut-être sur les descriptions des, des pères. Des, des pères. Ouais. Euh, en fait, l'acédie la, est, est, un, est une maladie de l'âme. Ouais. Maladie de l'âme, un désordre de mmh. l'âme, et elle est la grande oubliée des péchés capitaux. Elle mmh. faisait partie de, de la liste des péchés capitaux, et c'est un péché qui, qui consiste à se détourner, pour dire les choses simplement, à se détourner de, de sa vie spirituelle, à ne plus prendre soin de sa vie spirituelle, à négliger son, son âme en quelque sorte. Mmh. Et ce sont, comme nous disions, les, les pères du désert, en l'occurrence Évagre le Pontique au IVe siècle, qui a euh, identifier euh, ce, ce mal-être mm -hmm. qui touchait certains, euh, certains d'entre eux et qui consiste à, à perdre le désir de Dieu, à perdre cet élan vers, euh, vers Dieu. Euh, c'est-à-dire que toute une... la transcendance est brisée, euh, il y a une atonie de, de l'âme, c'est ce qu'explique Evagre euh, euh, le Pontique, une atonie, c'est-à-dire de l'âme qui, qui s'effondre sur, euh, sur elle-même. – On dit souvent que c'est une sorte de, de, de maladie de vieux moines fatigués, euh, ils en ont trop fait, c'est en... -ce que... plus que ça en fait ?– Alors il y a, il y a une, une, un, un psaume qui dit euh, « mon âme s'est endormie à cause de l'acédie », donc effectivement il y a la notion de, de sommeil, mm. D'engourdissement, de, de tiédeur de, de l'âme. Mais, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, à, à, tous, les, à tous les âges, et nous aussi, dans notre, dans notre vie. Mm -hmm. Vous aussi, vous, con, vous constatez les, les symptômes de la l'acédie dans, dans notre. Ah oui, moi, je bois du petit lait en, en entendant <laughs> Alexandra, parce que je partage exactement le même diagnostic, oui. à la fois au niveau des, des, des personnes euh, que je peux euh, voilà, accompagner, mais aussi au niveau de la société. C'est-à-dire que cette atonie de l'âme, parce que c'est vraiment ça dont, dont il s'agit. Hein. Moi, l'image qui me vient hein, avec la Cédille, c'est le bateau au milieu de, de l'océan, sans gouvernail et, et, et sans quille. Donc en fait, oui, il, il est avec, avec une voile, avec une voile parfois trop grande. Et oui, donc oui, ça avance, ça avance, coup, ça avance. <laughs> Donc y a, y a, c'est un mélange de, fit dans, dans la symptomatologie telle que le décrivent euh, les pères et Eva Grandet et puis d'autres ensuite et, et pas simplement ensuite les, les pères des premiers siècles mais ça a été repris dans toute la tradition de, de l'Église ça fait à peine quelques siècles hein, qu'on l'a oublié mais il euh, y a euh, beaucoup d'une tendance à la distraction, à être facilement distrait, une tendance euh, à ce qu'on appellerait en termes contemporains euh, bougisme c'est-à-dire euh, ne jamais tenir en place, euh, euh, voilà l'agitation permanente, quelque chose ouais. comme ça. Il y a aussi un rapport altéré au travail. Alors il décrit avec les moines ces descriptions souvent d'ailleurs très drôles. C'est soit le moine en fait qui, qui ne fait rien, soit au contraire le moine qui est dans l'hyperactivité. Voilà. Il y a aussi un, un souci excessif du corps. Euh, voilà. Et puis il y a cette espèce de d'attitude aussi accusatoire euh, qui est assez caractéristique. Donc en fait c'est l'ensemble de tout ça. Peut faire évoquer finalement un peu une phase d'acédie. Et par rapport à votre question, euh, oui, il me semble que ce n'est pas réservé du tout à des vieux moines. Euh, je crois que c'est vrai au niveau de notre société, si on reprend un peu ces, ces, ces cinq symptômes, il y en, il y en a d'autres, hein, oui, mais oui, oui, oui. principaux, qui quand même sont très présents dans notre société, et puis j'allais dire qui peuvent nous, nous atteindre ou que l'on peut traverser, à, 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 je crois, à même quand on a euh, 30, 25, 30 ou 35 ans. Et qu'on n'est pas moine et qu'on n'est pas moine. Il y a la notion de perte de sens dont on ouais. parle beaucoup aujourd'hui. Ouais. Et on peut se demander si cette perte de sens n'est pas peut-être une, une assédie qui s'ignore en mm -hmm. réalité. Mm -hmm. euh, alors ce qui est intéressant dans, dans l'assédie, c'est qu'il y a tout un mécanisme. Il y, a des, il y a des symptômes, il y a des manifestations, mais il y a aussi tout un mécanisme. Alors ra rappelez-les, comme ça on va voir si on en est... Enfin, les téléspectateurs euh... vont voir s'ils sont eux-mêmes victimes <laughs> d'assédie. Oh. <laughs> euh, oh, euh, okay, on va dire que ça, ça touche euh, chacun de manière différente. Oui. Parce que la CDI vient nous chercher là où sont nos blessures oui. et nos insatisfactions. Oui. Donc ça peut être très différent pour chacun. Pour reprendre ce que, ce que vous disiez, euh, il y a effectivement l'hyperactivité, par exemple. On peut vraiment sombrer dans une forme d'hyperactivité on peut euh, être dans une hyperconsommation. Mmh. Pour combler en quelque sorte le vide, le vide d'une vie euh, qui est euh, d'une intériorité vide en quelque sorte. On va, on va remplir les vides par des trop pleins, mmh. euh, par une hyperconsommation. On va être aussi dans une quête d'émotions fortes. Ça, c'est quelque chose, notre société est quand même une société de, de l'émotionnel. Mmh. Mmh. Et on, on, va, on va chercher des émotions fortes comme pour euh, combler, ou pour remplacer plutôt, la, la joie et la paix que l'on perd dans la sédie. Mmh. Ce qui donne, à mon sens, ce qui... Je ne sais pas si vous partagerez le même avis que moi, mais euh, ce qui montre qu'une âme est en bonne santé, eh bien, c'est la joie et la paix qui émanent en fait, de, de cette personne. Mmh. Euh, et dans la CD, eh bien, il n'y a, a plus cette joie et il n'y a plus cette, cette paix. Donc on va compenser avec des émotions, une quête d'émotions continuelle. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme symptômes On a, il y avait aussi euh, le fait d'abandonner ses engagements. Ça, c'est quelque chose qui est très présent. C'est pour reprendre l'expression de Bernano, c'est à quoi bon oui. À quoi bon Parce que finalement, euh, on se retrouve, les choses perdent leur sens. Là, nous fait perdre le, le, comment dire, le discernement on perd le discernement, il y a un désordre du corps et de l'esprit parce que notre âme n'est plus du tout dans une verticalité, en quelque sorte elle n'est plus reliée à, une, à quelque chose, à une vie spirituelle, elle est, on est comme esselé, finalement et sans guide. Et, euh, et on risque alors de, 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 de quitter nos engagements, de, de, et là c'est ce qu'on ce qu entend souvent, c'est… On se désengage de sa famille, on se désengage de, de son travail, on veut déménager, il faut qu'on bouge, le bougisme, ah ouais. comme vous disiez. Et alors, on va compenser par l'hyperconsommation, etc., ah ouais, comme ça. je disais, mais tout ça n'est pas satisfaisant, ce n'est pas suffisant. On, on, on reste dans une frustration et on va développer, et c'est là où je voulais en venir, le mécanisme, c'est qu'on va développer une forme de rancœur. Pour notre, on est, on est, on nous ne sommes pas bien, donc on va, voir, on va penser que ce sont les autres qui sont responsables de notre mal. Et on va, dé, on va développer de la rancœur envers les autres, de la malice, c'est-à-dire de la, de la. On va en vouloir à Dieu, ah oui. à la vie, on va devenir amer, cynique. Euh, voilà, et c'est là, c'est la dégringolade. C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a des, des, des symptômes extérieurs, pour parler, oui. qui sont effectivement très. Très divers, ouais. alors que c'est vrai qu'on imagine plutôt le moine ascédique un peu dégoûté, c'est le moine qui ne va pas à la messe ou qui ne va, va plus aux offices. Mais vous dites, non, il peut être aussi hyperactif. Mais oui. au fond, le, le, le vrai symptôme, c'est cette espèce de dégoût profond qui conduit à une sorte d'amertume. C'est ça qui est plutôt. Oui, tout à fait. Ouais. Et le, donc, comme, comme vous disiez, il y a. On peut être soit dans une forme de euh, déprime, de torpeur accablante, soit dans une forme euh, de perfectionnisme. On va faire les choses extrêmement bien, mais ça sera sans âme, c'est-à-dire comme une marionnette sans âme, mmh. désincarnée. Et, euh, et ça, ça peut être un piège. Parfois, on peut croire qu'on est investi, qu'on fait les choses, mais après, est-ce qu'on est on y met notre âme Est-ce qu'on y met euh, est-ce qu'on y met quelque chose ?– C'est un peu effrayant, hein, parce qu'on se sent un peu tous victimes d'acédie, euh, entre oui, mais... le fait d'être hyper actif, hyper consommateur. – Oui, c'est est pour ça que je, je pense, je crois que nous le partageons, qu'il y a quelque chose un peu d'une maladie du siècle. Hein, – C'est ça, oui. oui. – Après, euh, euh, moi je me retrouve complètement dans, dans, dans ce que vous nous présentez, hein, euh, et, et euh, j'ajouterais volontiers qu'à travers… Tout ce que vous dites, on, on voit combien c'est une maladie qui est complexe. Oui, C'est-à-dire que dans, dans toutes les maladies d'origine spirituelle dont, dont nous parlent les, les pères, hein, euh, euh, la colère, les, les, les addictions, la, enfin, la vanité, etc., celle qui est la plus complexe, très clairement, c'est la CDI. Mmh. Et ce qui la rend complexe, c'est deux choses c'est que, un, elle touche vraiment à, au plus profond, de, de, de l'âme à sa vitalité, mmh, mmh. Voilà, et pas simplement sur telle ou telle partie de, de notre vie intérieure, comme la colère, sur la dimension plus irascible, enfin mmh. ainsi de suite, elle est vraiment au profond, et puis parce que justement les, les symptômes sont nombreux et souvent paradoxaux. C'est-à-dire que le, le, le rapport au travail, ça peut être une hyperactivité, ça peut être au contraire je fais plus rien. Euh, le, le, le rapport euh, à la distraction, ça sera je vais me distraire hein, et en même temps je vais être incapable de m'engager dans quoi que ce soit d'une façon un petit peu stable et pérenne. Mmh. Et, et donc c'est ce, aussi euh, à la fois cette multiplicité des, des symptômes et, la, et, la, et, et leur caractère paradoxal qui fait que eh ben, euh, faire le diagnostic d'Acédie, il me semble qu'il est prudent de ne pas le faire soit seul pour soi. Mmh. Oui. Parce que c'est trop complexe. Donc, avis aux téléspectateurs qui se disent « je suis en pleine assédie à partir des prudence, symptômes que vous… » Prudence, peut-être, voilà. mais en même temps, ce n'est pas un symptôme oui. qui fait l'assédie. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, et voilà. ça dépend et c'est pour chacun ça peut être différent oui, oui, ça. donc c'est encore plus ouais. euh, donc si on a des doutes blanc. et qu'on a effectivement cette espèce de d'indolence d'atonie de l'âme de perte de sens enfin tout tout ce que euh, euh, Alexandra a, a énoncé c'est j'allais dire se, se mettre un peu euh, prendre un peu l'avis de quelqu'un d'un peu éclairé à la fois parce que c'est un avis tiers et, oui, et aussi parce que il faut quand même euh, Voir un peu les choses dans leur globalité et c'est pas euh, la Cédie, c'est un peu attention un peu au syndrome du, de l'étudiant de, de deuxième année de médecine, c'est-à-dire qu'il commence, il connaît pas grand chose, il, il, a, il a son cours de gastro et là il, il se dit bah tiens ça y est dès que j'ai un symptôme, un micro-symptôme, ça y est j'ai que c'est mmh. que j'ai la liste de tout, euh, et, et, et j'ai un plus tôt, cancer en fait, etc. Et, et je vais voilà. Et d'autant plus d'autant ouais, plus qu'on est vraiment euh, dans la Cédie sur une ligne de crête. Entre maladie de l'âme et maladie psychologique. C'est-à-dire qu'on a, des symptômes, ouais. on, on a euh, des, euh, des symptômes qui sont très proches de. Euh, ça, c'est vous qui connaissez bien tout ça. Euh, des symptômes de, de dépression, de mélancolie. Euh, et euh, donc, c'est très difficile, de, parfois, justement, de, de faire mmh. la part des choses et de distinguer. Et, et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes peut-être sont en, en, dans une forme de dépression, mais ignorent que c'est en réalité une maladie spirituelle mmh, mmh. et pas forcément qu'une maladie psychologique. Mmh. Mmh. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez la foi prise au mot. Aujourd'hui, Régis Burnet nous parle de la bonne santé de l'âme avec ses invités. Alors, voilà. vous écoutez, j'ai cette... deux questions, parce que est-ce que c'est une maladie individuel ou est-ce que c'est... Vous avez parlé du mal du siècle. Est-ce que c'est la société qui nous pousse Parce que d'une certaine façon, l'hyperconsommation, euh, j'en suis probablement malade, mais, mais on, 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 on me pousse quand même <laughs> à aller dans cette direction-là. Euh, trop travailler, euh, peut-être que voilà, j'en je, suis, suis responsable, mais euh, tout me pousse à trop travailler. Donc, voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est soi ou est-ce que c'est la, la, la... Pour vous, c'est la société ah, la, qui la société n'est pas autre chose que nous-mêmes. Oui. C'est-à-dire que c est, c est, nous, nous, nous créons cette société, nous, nous jouons le jeu de la société. Et à la fois, nous sommes victimes de notre propre jeu. ça. Euh, donc, euh, je pense qu'effectivement, notre société est prise en flagrant délit, assez dit, oui. dans le sens où euh, elle ne met en aucun cas euh, en, en avant la dimension spirituelle, elle privilégie le, la dimension de la, de la raison, oui. elle privilégie le matériel. Euh, au détriment très souvent de, du spirituel. Oui. Donc, déjà, ce, ce, le fait de se détourner de la dimension spirituelle, c'est-à-dire que la société est déjà dans, un, dans le mouvement ascédiaque. Mmh. Donc, il n'est pas étonnant que les symptômes soient, soient présents. Et, et on est effectivement pris dans un, dans un cercle, dans le cercle vicieux de, de, cette, de cette surenchère, je dirais, mmh. Mmh. Qui, 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 dans laquelle nous met l'assédie, ou bien. Au contraire, à côté, dans une, dans une complètement, dé, dé, comment dire, dans une forme de déprime, mmh. soit, soit hyperactif, soit dans une forme de déprime. Vous êtes d'accord C'est. Oui, complètement. que ce qui, ce qui me vient en vous, vous entendant, c'est que un, un peu comme il y a des facteurs qui vont favoriser les maladies cardiovasculaires, je pense à la sédentarité, au tabagisme, à la malnutrition. De la même façon, il y a, il y a des facteurs <laughs> qui vont favoriser la survenue de telle ou telle maladie spirituelle. Et là, en l'occurrence, de, de la et, et, et donc, euh, euh, on, on est dans un environnement qui favorise, oui. donc non pas qui déclenche de façon automatique, oui, hein, on n'est pas tous assez diac, oui. mais qui favorise. D'où la nécessité d'une vigilance particulière. C'est effectivement le, le matérialisme, le refus de la dimension spirituelle, euh, la, la confusion entre l'émotionnel et la vie spirituelle, l'éloignement de la nature aussi. C'est intéressant ce que vous dites. L'éloignement dit de la nature. Oui. Hein, il, y a, il y a une résonance spirituel. profonde entre la nature environnementale et la nature humaine. Dans Justement, dans toute sa, sa complexité, sa, euh, voilà. Donc, le, le, évidemment, le, les injonctions à l'hyperconsommation, l'addiction de masse, de masse, pour la, à laquelle personne n'échappe au numérique. Évidemment, tout mm. ça, ce, ce sont des choses qui sont encore une fois qui ne sont pas déclenchantes, mais qui sont favorisantes. D'où la nécessité d'une vigilance intérieure et que d'ailleurs les, les pères nous, nous disent. La première chose pour les CDI, c c'est d'abord un d'en prendre conscience. Donc encore une fois, ça ne se fait pas tout seul. Et, et deux, voilà, vigilance intérieure à, à, à ce qui se passe, à, à, à ce que je dois arrêter, ce que je dois poursuivre. Enfin, voilà. mmh. Donc, il euh, y a des facteurs favorisants aujourd'hui dans notre culture. Alors deuxième question, mais je vais d'abord lancer un texte mais je vous préviens que ça va être ma question, c'est est-ce que c'est est-ce que c'est un péché ou est-ce que c'est une maladie Alors pour nous introduire à cette question, je vous propose qu'on entende le texte du chapitre 5 de la première de, épître de Pierre, ce sont les versets 5 à 9. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorait. Résistez-lui, ferme dans la foi. Voilà, alors la question, pardon, c'est un peu une provocation, mais est-ce qu'il est faut comprendre l'acédie comme euh, la dent du, du, du diable qui, comme un lion, euh, nous a saisis Est-ce qu'il faut avoir tout de suite une, une lecture morale et, et, et liée au péché Alors, euh, l'acédie est un péché, oui. fait partie des péchés capitaux, oui. euh, a fait partie des péchés capitaux, puis elle a été remplacée par la tristesse, puis après par la paresse, mmh. et puis oubliée. Mmh. Euh, mais l'acédie... La c'est intéressant de l'avoir comme un péché. Oui. C'est intéressant de l'avoir comme un péché parce que si c'est un péché, ça veut dire que nous avons une part de responsabilité. Et si nous avons une part de responsabilité, ça veut dire aussi que nous avons moyen d'agir sur elle. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui s'impose à nous euh, et qui serait extérieur et sur lequel nous n'avons aucune prise. Donc là, c'est dit, en étant un péché, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire aussi qu'on peut lutter contre. Mm -hmm. Et euh, voilà. <laughs> je dirais. Par rapport à une maladie, Par rapport à une maladie qui, oui, qu elle, oui. on a certainement des raisons de, de, de développer telle ou telle maladie, mais c'est quelque chose qui, qui, sur lequel, parfois, malheureusement, on a, on a moins, de, moins de prise. Vous mm êtes -hmm. d'accord On, peut, on les, a des, les, 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 des moyens alors, en, en, je, je suis, je suis gêné, gêné par cette question. Très bien. Euh, Dites parce pourquoi Parce que finalement, je, je, je ne sais pas ce que euh, le, le terme de péché, en fait, représente pour chacun d'entre nous. Probablement. Juste. Pour certains certaines choses et, et oui. pour d'autres choses, c'est là où je dis je suis gêné en fait. Je, je, tout dépend. Je, voilà, pour répondre à une question, tout dépend ce que l'on met derrière le mot de péché. Oui. Si c'est péché au sens, comme le dit Alexandra, il y a une part de responsabilité finalement qui m'incombe là-dedans. Euh, moi, je suis complètement ok avec ça. Et, oui. et, et, et en effet, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, si c'est, euh, on, on rajoute encore de la culpabilité et du moralisme. Oui. C'est pas ce que. Alors que. Euh, <laughs> non, mais ça peut être une représentation. D'ailleurs, oui, c'est quand fait. même souvent une représentation oui. euh, qui est attachée au terme de. De péché mmh. alors voilà moi je, je suis moins je suis moins fanat disons le de fait les, les, les pères vraiment dans tous les, les tout premiers siècles en fait ils, ils en parlaient en, 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 en termes de maladie spirituelle c'est dit parmi d'autres maladies spirituelles et le propre de la maladie d'origine spirituelle à la différence de la maladie du corps ou de certaines maladies euh, comme on dirait aujourd'hui mentales ou psychiatriques justement appelle la mobilisation de ma liberté de ma conscience de ma vigilance donc quelque chose qui fait que oui je, je peux en tout cas reprendre un petit peu euh, les, les rênes de ma vie en tout cas une partie voilà mmh. alors si c'est ça qui a derrière péché oui si c'est pour rajouter encore justement, la dimension accusatoire ou auto, -accusato auto accusatoire qu'on peut trouver justement dans la cd euh, bon – Voilà, je peux témoigner, parce que j'ai lu votre livre, Alexandra Pupin-Bortoli, que ce n'est pas du tout ce que vous vouliez non, dire, et que vous n'êtes pas du tout dans ce côté culpabilisateur, au contraire. – Non, du tout, côté, euh, oui, euh, non, du tout, ouais, d'autant ouais, plus que euh, l'assédie la en tant que péché euh, est aussi un, un, comment dire, un, une alerte, c'est-à-dire que c'est un moyen… Pour nous dire attention, il y a quelque chose dans dans, dans votre vie, dans ta vie euh, spirituelle ou dans ta vie quotidienne qui n'est pas ajusté. Mmh. Donc il faut voir mon sens les péchés. Enfin moi je vois les péchés euh, au même titre que les vertus. Hein, euh, les péchés comme comme une magnifique, enfin une formidable grille de lecture. Oui. Une grille de lecture qui qui pleine de, de finesse, de justesse et qui nous aide en quelque sorte à à, à s'améliorer enfin ou à progresser en humanité et de ce fait d'aller vers d'aller toujours plus vers vers vers, vers Dieu finalement mmh. sur notre chemin spirituel vers Dieu pour les pour les croyants donc euh, je trouve que les péchés et les vertus sont une grille de lecture très fine mmh. et très juste pour, euh, sur la connaissance de, 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 son, de son chemin spirituel. Alors, vous avez dit, il euh, euh, y a quelque chose de pas ajusté. Soyons très précis. Quelle est la racine, du coup, de, ce, de cette assédie C'est quoi le, le point qui, qui fait que ça ne va pas Je pense que, comme disait Jean-Guillaume, il y en a plusieurs, il y, a, il y a plusieurs choses, il y a, il y a énormément de, de paramètres, mais il ne faut pas oublier que la c'est dit « a pour racine le spirituel ». C'est ça. C'est véritablement un, un, un travers, on va dire, pour ne pas dire péché, un travers humain euh, dont la racine est spirituelle, euh, qui touche à la fois le corps et l'esprit. Mm -hmm. euh, c'est l'atonie de l'âme, c'est ce que je, je disais un petit peu tout à l'heure. Euh... Mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas justement ce que vous, ce que vous décrivez euh, dans, dans votre livre euh, C'est justement le fait de ne plus se sentir vivant, en fait. Enfin, c est, c est pas dans le sens oui, que vous définissez. Oui, oui, oui. euh... En tout cas, c'est comme ça que c'est décrit. Cette attenuance, c'est la maladie la, la plus profonde, la maladie d'origine spirituelle la plus, la plus profonde. D'où est-ce qu'elle vient À ma connaissance, en tout cas, il y a débat. Il ouais. enfin, y, y a débat au fur et à mesure des siècles, hein, justement. Ouais. Est-ce que c'est -ce est, entre guillemets, le, voilà, est-ce que c'est la faute de la personne ascédiaque parce qu'elle n'a pas pris suffisamment soin euh, Est-ce que c'est finalement une épreuve que Dieu envoie Alors, ce n'est pas moi qui vais le trancher là euh, aujourd'hui, hein, mm -hmm. euh, sachant que pendant des siècles et des siècles, ça a été discuté et que de fait, c'est voilà, en débat. Ce qui est, en revanche, certains, au sens, en tout cas, totalement unanime, c'est que, à un moment donné, effectivement, notre vie spirituelle profonde n'est plus, j'allais dire, euh, euh, alimentée, nourrie, perfusée par la vie de Dieu. Mmh. En fait, c'est ça le sujet. Alors, est-ce que certains, ont, à un moment donné, ont dit, bah, finalement, c'est Dieu qui envoie une épreuve, bon, voilà, c'est le péché. Ça, je, je, je ne sais pas. Donc, mmh. je, je n'irai pas sur ce terrain-là. Mmh. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, l'âme n'est plus nourrie par la, la vie, la, la vie que Dieu nous donne et pas simplement la vie justement corporelle, mais la vie en plénitude, la, la vie qui appelle à l'éternité, euh, voilà, et qui, et qui se donne et qui se déploie dans l'éternité. Voilà. Et donc c'est cette vie-là dont finalement euh, la Cédiaque, euh, est, est, est coupée. Alors, momentanément, on peut évidemment l'espérer. Hein c'est pour ça qu'en même temps, il, il nous donne des points d'alerte. De, J'aime bien euh, mmh. ce que vous disiez sur le, la dimension d'alerte. Euh, mais mais c'est ça, c'est une coupure de, euh, de la vie profonde mmh. que, que Dieu nous donne, en fait. Alors, en termes chrétiens, c'est la, la vie que Dieu nous donne. En, en termes non chrétiens, c'est cette vitalité profonde qui fait que eh bien, je me déploie, que, que, je, que je peux me donner au, autour de moi des choses qui vont donner la vie à d'autres. C'est ça le sujet de la vie, c'est c'est quelque chose qui circule, qu qui nous dépasse, dont on n'est pas à l'origine, et, et dont la dynamique est celle du don et de, et de transmettre et de donner la vie autour de soi. C'est cette vie-là finalement dont, euh, quand on est ascédiaque, en fait, on est coupé, uh -huh. voilà, partiellement, voire à un oui. moment donné, totalement. C'est un coupé peu plus qu'on ouais. intériorité, on est, on est coupé de la. En fait, le, 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 la nous, nous jette en dehors de nous-mêmes. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pu véritablement accès à l'intériorité. On vit à la surface de nous-mêmes et euh, donc en étant, en étant coupé de notre intériorité, eh bien on est coupé de cette source de, de vie, de vie hein, finalement euh, et donc de, de, notre, de notre vie spirituelle. Mmh. Et les raisons, alors les raisons euh, pour reprendre ce que, ce que vous disiez, il y a aussi la, la notion de lassitude. Je pense que nous sommes des êtres humains tous et on peut à un moment donné avoir une ressentir une forme de lassitude, l'usure du temps, euh, la perte de sens donnée aux choses du quotidien. On, on laisse filer en quelque sorte, on on n'y met, met plus notre force d'âme euh, et je pense que toutes ces choses- là aussi euh, l'excès dans le travail aussi mmh. fait, font partie des, fait partie des, euh, des, des causes de la cédie. Alors, je vous propose un deuxième texte pour nous faire transition vers la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'on ne va pas rester dans ce, dans ce constat complètement désespéré. Je vous propose qu'on écoute <laughs> la première épître de Jean. Ce sont, euh, donc, c'est le chapitre 3, ce sont les versets 18 à 23. « Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en actes et dans la vérité. À cela nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité, et devant lui, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il discerne tout. Mais bien aimé, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous adressons à Dieu avec assurance, et quoi que nous demandions, nous l'obtenons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui agrée. Et voici son commandement. Adhérer avec foi à son fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous en a donné le commandement. Alors j'avais voulu vous faire entendre ce texte à cause de, de ce verset, enfin gr grâce à ce verset, si on peut dire. Euh, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Est-ce que c'est pas un des une des premières. des premiers chemins qu'on peut prendre. C'est-à-dire, vous l'avez dit l'un et l'autre, il ne s'agit pas de se complaire dans une forme d'auto-accusation, enfin de culpabilité. Oui, le verset que vous dites, je trouvais très intéressant, parce que finalement, la il est enfermé dans son propre cœur. C'est ça. En fait, et il a perdu justement cette relation, ce contact, cette. Je sais pas quoi. Voilà, avec la source qui lui donne la vie, quoi. Avec Dieu, en pratique. Oui. Donc, donc euh, tout, tout ce qui va contribuer à, 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 à stabiliser, d'une part, euh, sur un plan, on va dire, euh, voilà psycho-corporel, euh, psycho sur un plan humain, et tout ce qui va contribuer à rétablir un petit peu quelque chose qui va me remettre en contact avec cette source qui me donne la vie, euh, eh bien, ceci sera favorable pour sortir de cette phase d'acédie. Je dis pour sortir de cette phase parce qu'on ne on, on sort pas de l'acédie comme on sort d'une angine après cinq jours d'antibiotiques. Mmh. C'est quelque chose qui va, on l'a dit, qui va mobiliser quand même de la détermination, enfin en tout cas du diagnostic, du discernement, de la détermination, de la force, de l'endurance. Le, le, le premier mot-clé dont, dont nous parle, premier à maladie complexe, il faudra activer plein de, plein de leviers, plein de ressources. Le premier de ces leviers, c'est persévérance-patience. Il faut persévérer. Il Faut durer, ne pas prendre de, de, de décisions justement inconsidérées parce que euh, tout ce qui va être, on risque d'être pris dans, dans, plus dans le bougisme et l'agitation mmh. que dans quelque chose, dans une transition euh, discernée, euh, véritablement choisie, ancrée, etc. Donc euh, stabiliser, stabiliser en ne prenant pas de décisions hâtives importantes et puis en persévérant. Voilà. Persévérance et patience, ça c'est vraiment le, le, le premier euh, de, 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 de tous les leviers. Il y a aussi avoir une activité concrète. Hein, euh, parce que l'activité le propre de l'activité concrète hein, et, et, les, et les pères disaient concrètement c'était d'aller faire le jardin, d'aller euh, tisser des paniers euh, parce mmh. que ça mobilise le corps ça aide l'esprit à se concentrer donc ça lui évite de faire le petit vélo et puis de partir dans ses films de ma vie est nulle ou machin, et puis de toute façon on vit dans une société complètement pourrie et là ça y est c'est parti et là on, on s'en sort plus <laughs> donc on se concentre sur ce que l'on fait et l'intérêt aussi du travail concret dans le cadre de la C10 c'est que ça a un début et que ça a une fin donc, ça ancre, ça incarne un rapport au temps, qui, justement, ce qui est aussi un symptôme, hein, Alexandre l'a dit, de, de la CDI c'est qu'on ne on sait plus bien. On a, donc, ça, donc, la persévérance, la patience, le, le, la dimension de, 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 de se donner une activité concrète. Et, autre levier aussi, c'est donc de, 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 de reprendre le chemin de la prière, de la méditation. Voilà, euh, peut-être en, en, en cédant notamment, peut-être euh, des psaumes, de l'écriture, du chapelet, de quelque chose, en, en gros, d'une parole, d'un autre, aussi, là, parce que finalement notre concret. parole, est, ouais. et là aussi c'est du concret. Ouais, oui, ça. Voilà, c'est c'est du concret. Ouais. Euh, les, les pères insistent aussi euh, beaucoup sur une pratique qu'on a oubliée et pourtant qui a existé jusqu'à y a encore peu de siècles dans la tradition chrétienne, qui est ce qu'on appelle la mémoire de la mort. La mémoire de la mort, alors ça peut faire peur, etc., mais en fait, ça n'a rien de morbide. Même un ça consiste mort. en fait à, euh, justement, s'imaginer par anticipation en train de mourir ou bien mort. Le but étant, pour les pères, c'est une pratique vraiment de pédagogie de l'âme, justement, de, de remettre les choses un peu à leur place. C'est-à-dire de nous remettre face à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel quand, 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 là, quand je serai au seuil de la mort, qu qui, vraiment, qu'est-ce qui a eu de la valeur Qu'est-ce qui a payé de la valeur Quels sont les attachements finalement qui sont bons dans ma vie Quels sont les attachements finalement qui n'ont, euh, je m'en aperçois, non seulement aucune valeur, mais peut-être qui me font du mal Donc c'est un, un, une espèce de, de, de moyen un peu anti-vanité, anti-distraction pour revenir à l'essentiel. L'essentiel étant finalement, encore plus fondamentalement, le fait de s'en remettre, remettre sa vie en Dieu. Donc c'est aussi une pratique qu'il qu conseillait beaucoup, celle aussi de rendre grâce. Hein, euh, on, on est un peu oh. en dépression. Ah ouais. euh, comment, vrai, on, voilà, et et s'astreindre ouais. d'une ouais. certaine façon, non pas au sens d'une contrainte, mais faire le choix délibéré aussi de retrouver des traces dans ma vie, justement. Euh, pour lesquels je peux trouver quelque chose de la gratuité, quelque chose de, de la gratitude, quelque chose du remerciement, de la reconnaissance, qui me fait sortir justement de cette espèce de, de, de marasme, comme vous disiez, euh, euh, voilà, dépression, euh, voilà, le monde est pourri, ma vie est un échec, euh, je suis entouré de losers, et enfin, ainsi de suite. Non, on, on, on se pose, on se calme un peu, on essaie de se dépolluer, voilà, et on regarde euh, les choses posément. Voilà, donc, il euh, y en a d'autres, hein, je vais laisser Alexandra compléter. Mais euh, agir, cas, du concret, memento mori, se rappeler de la mort, oui. et euh, une, une forme d'action de, de, de grâce. Oui, ouais. on a déjà une première salve. Oui, ouais, de... c'est une première salve. Que, à vous. <laughs> oui, là, on retrouve <laughs> les, les remèdes des moines. Mmh, mmh. euh, Qu'est-ce que je peux ajouter Il y a les larmes aussi. Ça, je trouvais que c'était plutôt. Euh... Touchant. Les, les larmes les larmes sont, sont bienvenues, c'est-à-dire les larmes sont un aveu oui. de notre faiblesse. Et je trouve que c'est. Euh, euh, et les larmes en, en elles-mêmes sont déjà une, une prière. C'est-à-dire, comment, comment on. on... C'est-à-dire qu'il cette tristesse qui est présente, oui. parce que dire rend triste oui. en réalité. Et la donc il ne faut, faut pas hésiter à pleurer. Eh bien, on, les, les larmes sont les bienvenues. Oui. Les larmes sont les bienvenues, ce sont les remèdes des moines. Hein. Bien sûr, non, non, voilà. mais une... les, les larmes sont, oui, sont oui. les bienvenues, elles sont l'aveu de notre faiblesse. Et, euh, et comme je disais, elles sont, elles sont déjà une, une elles, 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 comment dire, les larmes attendent de la consolation. Mm -hmm. Donc, euh, quand on, la consolation amène progressivement à, à la guérison aussi, peut-être euh, elle est sur le chemin de la guérison. J'ajouterais aussi la prière. Euh, la prière. Alors le problème de la prière, la difficulté avec la prière, c'est que justement, on n'a plus du tout envie de prier. Exactement. – Exactement, et c'est même souvent le, le symptôme le dégoût, même de, ouais. de, de, de la cédille. – Tout à fait, on n'a ouais. plus du tout envie de prier, alors nous dire il faut prier, ouais. c'est là où c'est où justement la, la chose la plus difficile, mais la chose la plus essentielle. Alors il s'agit de, de, peut-être de, de faire des prières très courtes, très, très simples, euh, mais régulières. – Vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut faire une activité C'est-à-dire que le, la, ah oui. la, la, la chose importante c'est de, de faire. – C'est la vertu du travail, ouais. la vertu du travail manuel aussi, ouais. de… Ouais. L'avantage de, de, de des, des travaux manuels, c'est qu'on a, on a un résultat à la fin. Euh, L'esprit est, est concentré, le corps est, 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 est à l'action. Euh, on, ça évite d'avoir nos pensées qui se, qui se dispersent. Oui, oui, c'est très très important. Et quel type d'activité Vous dites, il faut vraiment du travail manuel. Vous aussi, c'est vraiment c'est du concret. Il faut faire du macramé, du jardinage, oui. faire <laughs> une tarte, faire une tarte aux pommes. Oui. Euh, et puis d'alterner des choses intellectuelles, des choses manuelles. On retrouve mmh. ça dans la règle de saint Benoît. Mmh. Donc c'est vraiment d'alterner. Euh, oui, oui, le, je, je pense que le travailler de ses mains aide à libérer la tête. C'est mmh. vraiment, ça, vraiment la la tête. Tête. ce que disait... Ouais. Ouais. Un début, une fin qui mobilise le corps. C'est ça. Donc pour ouais. moi, ça, c'est vraiment... Alors après, on fait. peut aussi avoir, bien sûr, des activités intellectuelles, mais, mais c'est vraiment d'abord, euh, ça a un début, ça a une fin, ça mobilise le corps, donc c'est concret. Et on s'ancre dans le réel. Ouais. Et ça peut être une ouais. activité euh, sportive aussi je ne parle pas de performance, voilà, mmh. c'est un jogging, de faire trois pompes, de faire une séance de pilate, voilà, et on se donne, voilà, on n'a pas la forme, on n'est pas bien, ce n'est pas grave, on, on fait ce mmh. qu'on peut. Mmh. J'aime beaucoup ce que vous disiez, Alexandra, sur la prière, c'est-à-dire que euh, euh, le tout, c'est de, justement de se, de se tourner vers cette source qui nous manque, en profondeur, mmh. en fait. Euh, et, et donc euh, c'est aussi pour ça, alors je dis c'est aussi pour ça, ça c'est moi qui l'interprète comme ça, mais je pense que la, 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 si les pères insistent autant sur la prière du cœur, je pense que c'est aussi pour cela. C'est que la prière du cœur qui consiste effectivement à dire vocalement ou mentalement une prière extrêmement courte qui peut être un verset, qui peut être une parole, qui peut être le nom de Jésus, simplement, mm -hmm. c'est aussi parce que j'allais dire ça c'est tout terrain et c'est toute saison. Toute saison euh, mmh. intérieure. Ouais. Et donc, en effet, quand euh, je suis trop fatigué pour lire l'évangile du jour, pour me poser, puis parce que de toute façon, j'ai pas le temps, puis j'en je, ai marre, et puis moi, allez, il faut, c'est un il faut de plus, etc. Évidemment, c'est un il faut de plus, c'est un il faut. Mmh. Eh bien, voilà, dis, dis le nom de Jésus. Voilà, il est déjà présent et ça le rend présent. Mmh. Ça te le rend présent. Mmh. Mmh. Euh, donc, donc, oui, ça peut être un mot, un verset, l'invocation du nom. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez La foi prise au mot. Aujourd'hui, Régis Burnet nous parle de la bonne santé de l'âme avec ses invités. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites l'un et l'autre, et ça se voit bien aussi dans, dans vos livres, c'est le, le tiers. C'est-à-dire euh, avoir besoin de quelqu'un, euh, soit les autres, soit le coach, soit <coughs> l'abbé, le, le directeur spirituel. Oui. Le, -dire, euh, sortir de soi, c'est déjà. Euh, oui. C'est aussi pour rencontrer l'autre, c'est pas simplement. Euh... Oui, donc dans, effectivement, dans les remèdes des moines, eh bien, il y a également le, le, le fait de se confier à un père spirituel. <coughs> Après, ça peut être différentes sortes, mais euh, en l'occurrence, le, le fait de se confier. Euh, de s'ouvrir de à, à l'écoute de l'autre, et eh bien, permet de se libérer, de ne pas garder en ça. soi. Et surtout, ça peut nous aider, à, si, on, si on, a, on a en face de nous quelqu'un qui, qui en a les compétences, de, de discerner euh, s'il s'agit bien d'acédie ou pas d'acédie, de, de, de comprendre les mouvements de l'âme aussi, hein, nos états d'âme, mmh. Euh, et de nous aider à, à mettre un mot sur notre mal-être. Parce que c'est souvent ça le, le problème, c'est que souvent il y a un mal-être et on ne sait pas mettre un mot dessus. Et mettre un mot sur, sur un mal-être, c'est déjà, je pense... Euh trouver là un chemin vers, vers une, une guérison tout D'une euh, certaine façon, oui. vous êtes en train de réhabiliter la figure du, de ce qu'on appelait autrefois, et c'est souvent mal compris, le directeur spirituel, oui. parce on a, on, ou le père spirituel, il père peut y aussi avoir des mères oui. spirituelles, oui, c'est très important, tout à fait, et, et, et en plus, la question du directeur, on a l'impression qu'il est là pour nous diriger, oui. donc, mais vous, vous dites non, c'est avoir le regard de l'autre sur soi pour, pour essayer d'évaluer, de, de, parce qu'on n'est pas bon juge de soi-même. Oui, – Et nous aider à discerner... Euh, quel est notre mal Enfin, comment Oui, ça. Et puis, et puis, discerner nos états d'âme, nous aider à avancer. On le disait tout à l'heure pour le diagnostic. C'est vrai aussi pour, j'allais dire, un peu l'accompagnement, parce qu'une fois, ça demande un certain temps de traverser c'est une période décédie. Donc, on n'est pas bon juge pour soi-même. On est surtout très mauvais juge pour soi-même. Notre cœur nous accuse. Donc le, alors la. Compagnateur, alors, je ne sais pas, le psy, le coach, le mmh. directeur spirituel, le père spirituel, etc. Il ne s'agit pas de tout mélanger, mais en mmh. tout cas, à travers tout ça, et ça peut être d'ailleurs plusieurs d'entre eux simultanément ou séquentiellement, euh, voilà, et chacun dans son registre, mais c'est bénéficier d'un regard extérieur pour, pour aider au diagnostic, mais aussi pour encourager il euh, y a quelque chose de très décourageant à la période décédée. Et donc euh, oui, on a tous besoin à certains moments de se sentir soutenu, de sentir qu'on n'est pas seul, parfois de bénéficier de, de, effectivement de conseils aussi, euh, d'être ouais, encouragé. Hein. Donc, euh, donc on ne peut pas, là aussi les, les, les pères nous le disent, on ne peut pas faire le diagnostic seul et on ne peut pas s'en sortir tout seul. Mmh. Voilà, c'est même un piège pour eux, hein, le fait de, de vouloir régler le problème tout seul. Quelque part, c'est presque un symptôme aussi de cet enfermement en fait dans soi-même et de cette non ouverture mmh. voilà à d'autres mmh. Vous avez dit euh, vous avez dit la, la vie spirituelle, on la confond souvent avec, euh, avec l'émotion. Ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur, ce, sur cette idée-là, parce que finalement, dans vos deux livres, il y a un peu cette, cette idée-là qu'on on est, on est, est très fort dans l'émotion et on confond ça avec la vie spirituelle. Et souvent même, on, on voudrait que la vie spirituelle soit très émotionnelle, euh, euh, qu'il se passe des trucs, etc. Euh, ça, je crois que c'est quelque chose d'important à, à rappeler. Euh, la vie spirituelle, ce n'est pas que de l'émotion. Non, la vie spirituelle, c'est la vie spirituelle. Donc la, la vie... Non, mais ça, je veux dire au moins par là, c'est qu'au moins, avec ça, c'est <laughs> conscient. Ce que je veux dire par là, c'est que la, la vie spirituelle, en fait, elle s'ancre dans cette partie de nous-mêmes qui, qui est ouverte vers l'infini. L'infini, en l'occurrence, duquel nous recevons la vie, et en, terme, en, en termes chrétiens, cet infini, c'est Dieu. C'est cette zone, si, si on veut l'imaginer un peu en, en termes de. C'est cette zone, en fait, de, de chacun de nous, euh, voilà, par laquelle, en fait, nous recevons chacun la vie en plénitude. Mmh. Voilà. Euh, les émotions, c'est un autre étage, voilà, de, 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 de nous-mêmes, euh, qui nous fait, pour le coup, éprouver des choses, qui nous fait ressentir des choses dans notre mental, mais aussi dans notre corps. La vie spirituelle, elle n'est pas spontanément ni ordinairement sensible. Mmh. C'est une vie qui se transmet justement à la vie euh, psychique, à la vie émotionnelle, à la vie du corps et réciproquement. Mais la vie spirituelle, elle est réelle, pour autant, elle n'est pas spontanément sensible, à moins, on va dire, de grâce particulière, de moments particuliers et aussi d'attention particulière. Mmh. Hein, et et, et peut-être qu'en effet, euh, une motion spirituelle de paix ou de joie, comme euh, oui. l'évoquait tout, tout à l'heure euh, Alexandra, de fait, a un goût un peu différent d'une émotion de plaisir ou de bonheur. Voilà, qui sont bons aussi, c'est pas le sujet. Hein, mais, mais on est sur des registres différents. De fait, l'émotion, enfin, euh, elle apostrophe, les émotions, mm -hmm. de fait, sont plus déterminées par l'extérieur, la vie spirituelle, parce qu'elle est. Dans un ce centre de gravité beaucoup plus profond, euh, tire, euh, j'allais dire, ce, finalement, son. est directement alimenté justement par cet infini, par Dieu, par l'Esprit Saint. Voilà. Alors moi, je ne suis pas un théologien, est-ce que mm -hmm. c'est Dieu, est-ce que c'est l'Esprit Saint Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est alimentée par cette, cette, cette vie euh, qui nous est donnée. Et alors, elle peut effectivement euh, immerger. Euh, et et c'est ça l'enjeu de la vie spirituelle c'est un enjeu d'attention. C'est ce que disent les pères, ce que disent d'ailleurs toutes les traditions spirituelles du monde, d'ailleurs, même les non-chrétiennes. Ouais. La tradition chrétienne en particulier, c'est notre attention justement à ce qu'il y a de spirituel dans la vie. Comment je m'ouvre à ce qui m'est donné et, et qui me dépasse le, Exemple du sommeil, c'est un, un chapitre que je consacre au sommeil dans mon dernier bouquin. Sur effectivement, le sommeil, je peux m'endormir comme ça parce que je suis crevé, puis je suis en végétal, la lumière, et puis voilà, puis je m'endors. Ou au contraire, si je suis très stressé, je ne vais pas m'endormir. Je peux aussi en faire une expérience spirituelle finalement en choisissant délibérément de vivre ce que je vis déjà qui est une expérience de détachement d'abandon et de remise dans les mains du père mm -hmm. voilà donc je peux m'endormir euh, j'allais dire en deux dimensions mon corps et mon psychisme je mm -hmm. peux m'endormir aussi en mobilisant cette troisième dimension qui est de choisir délibérément de m'abandonner dans les mains du père et, et vocalement de dire entre tes mains seigneur je remets mon esprit Mmh. Voilà, c'est, Je dis ça, je vote rien, c'est ce, ce à quoi nous invitent mmh. les pères, mmh. hein, quand mmh. ils, ils font un peu cette mmh. analogie entre l'endormissement euh, dans le sommeil et l'endormissement dans la mort, mmh. et le réveil le matin où je ne suis pas réveillé, etc., et puis justement l'éveil à la vie dans la résurrection. Mmh. Hein. Donc je prends cet exemple juste pour dire qu'en fait, tout de notre vie quotidienne, tout ce qui constitue la trame quotidienne de nos vies, peut être l'occasion, en fait, d'une expérience spirituelle. Mmh. Alors, je, je vous rejoins complètement. Ouais. Euh, je, je pense que la, la vie spirituelle est, est, est très incarnée mmh. en réalité. Elle est à la fois portée vers l'infini et alimentée. Euh, enfin, il y a une dimension, on est en communion avec l'infini et en même temps, on est complètement ancré et incarné dans, dans la vie quotidienne. Et en euh, fait, le, le le, dans la vie spirituelle et pour regagner une vie spirituelle en quelque sorte ou pour retrouver une, une vie spirituelle, eh bien, ce n'est pas tant, il ne faut pas tout changer dans, dans sa vie, hein, c'est ce que, ce que vous, vous dites, mais plutôt la manière mmh. et le sens que l'on va donner à chaque chose. Mmh. Euh, voilà, ça, ça me semble vraiment vraiment important. Donc, quelque, ce, sont des, ce sont des choses qui sont à notre portée, mais c'est un mais il s'agit de, de réveiller nos, nos âmes en quelque sorte, réveiller nos âmes et réveiller notre regard spirituel sur sur la vie, sur les choses du quotidien et retrouver une sensibilité spirituelle en quelque sorte. Dans votre livre, vous, 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 c'est l'avant-dernier chapitre, vous, vous prenez les sept remèdes. Il y en a un que j'aimerais sur lequel, enfin des pères. Hein, donc, le, euh, je, euh, il y en a un que je trouve très important et on est en train d'y toucher. C'est la question de la garde du cœur. Ah, la garde du cœur. C'est une très jolie expression oui. déjà. La garde du cœur. La garde du cœur, euh, il s'agit de, de surveiller, en quelque sorte, euh, d'être de garder, je ne sais plus exactement la formule, mais soit le gardien des portes de ton cœur oui. et ne laisse entrer aucune pensée que tu n'aies interrogée. Es-tu dans mon camp ou n'es-tu pas dans mon camp Donc il s'agit d'observer ce qui, ce qui nous traverse. Ce qui nous traverse, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, euh, nos paroles, nos, nos paroles euh, qui sont parfois cyniques, nos, nos critiques, le les paroles qui sont empreintes de mépris pour nous-mêmes. Là, je reprends un petit peu les, les, les travers du du de la Cédille. C'est de surveiller tout ce qui nous traverse, c'est d'interroger euh, nos compensations, d'interroger euh, nos dispersions, nos, nos mauvaises consolations entre guillemets. C'est d'être attentif à tout ce, qui, euh, tout ce qui peut traverser notre, notre cœur. Euh, et, et, et ça, c'est dans le but de, de rester en paix. Mmh. De, de rester en paix parce que je trouve que dans votre livre où il y a aussi beaucoup de, il y a beaucoup de, de conseils euh, finalement la garde du cœur enfin beaucoup de vos conseils reviennent à ça c'est-à-dire se, se rendre conscient et, et, et pas faire rentrer n'importe quoi si pour dire. les pères la, la garde ouais. du cœur c'est vraiment euh, central ouais, ouais, c'est ouais. vraiment central c'est-à-dire que et ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure sur, le, sur la, la bonne nouvelle qu'il y a quelque chose ouais. qu'on qu 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 peut faire enfin voilà c'est effectivement la soit le gardien de ton cœur soit le portier de ton cœur moi je trouve ça très Très, très délicat et en même temps très puissant. C'est-à-dire que j'ai la possibilité, effectivement, d'observer de, de, euh, ce qui est en train de se passer en moi. Mmh. Et, et la, le commandement des pères, euh, ça n'est pas connais-toi toi-même, mmh. comme on voyait au fronton de, du mmh. temple de Delphes. Mmh. Hein, euh, C'est sois attentif à toi-même. Et la nuance est, est essentielle. Alors, les deux ne s'opposent pas, évidemment. Plus on est attentif à soi, et mieux on se connaît. Mmh. Mais ce n'est pas une connaissance de se regarder le nombril. Ce n'est pas regarde-toi le nombril. C'est regarde ce qui est en train de se, de se passer en toi. Regarde les pensées qui circulent, regarde tes envies qui passent, regarde les films que tu es en train de te faire. Mmh. Euh, voilà, euh, regarde, etc. Et, 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 et puis, interroge, comme dit Alexandra, est-ce que c'est est plutôt bon pour toi, tu penses, ou plutôt pas bon pour toi Donc, euh, c'est un, j'observe, deux, je discerne, et trois, j'agis. Je laisse rentrer si je pense que c'est bon pour moi, ou bien, effectivement, je repousse, et en l'occurrence, repousser, c'est surtout laisser passer, ne pas s'y attacher, etc. Donc, la garde du cœur, c'est vraiment le, le, le mode. Euh, euh, centrale, essentielle de la vie intérieure, euh, dans, euh, enfin, en tout cas dans, dans, dans la vie spirituelle, telle que euh, le christianisme primitif nous, nous l'enseigne. Hein il faut vraiment euh, y revenir, parce que c'est essentiel. Mmh. Et, et, et euh, ça porte du fruit, ne serait-ce que parce qu'on se rend compte qu'on peut être autre chose que finalement une espèce de passivité. quoi – Oui, c'est ça. – oh ben voilà, il y a rien de ça… – On redevient maître au, au moins de ça. Au même si on, même voilà. si on a l'impression d'être, comme vous dites, le, le navire sans rame… Sans... – Les pères disent, enfin, moi j'ai trouvé ça très intéressant, ouais. euh, tu n'es pas responsable en aucune façon des pensées qui te passent par l'esprit, en revanche… Là où tu as une part de responsabilité, c'est de savoir si tu les laisses entrer ou si tu ne les laisses pas entrer. Mmh. Je trouve ça très déculpabilisant par rapport à tout ce tout qui peut, tout fait. en tout cas moi, tout me traverser l'esprit à chaque seconde, etc. Je ne suis pas responsable de ça. Oui. Par contre, je suis responsable d'observer ce qui se passe et de les laisser rentrer ou pas, de m'y attacher ou pas. De choisir, d'exercer sa liberté, ouais. finalement, ouais. et de ne pas se subir. Oui. Ouais. Alors. Vous vous connaissiez pas, vous avez, il n'y a pas une sorte de conspiration. Vous n'avez pas écrit votre livre ensemble, mais euh, votre dernier chapitre, Guillaume, euh, jean guillaume Zéris, c'est rire. Et vous, votre dernier chapitre, c'est la joie. Euh, donc vous êtes d'accord. Pourquoi, pourquoi c'est si important ça euh, La joie, le rire. La, la, pour moi, une on est à la fin de l'émission. Pour désolé, moi, une mais... âme <laughs> qui est en bonne santé oui. est une âme qui, euh, qui, qui est joyeuse. Euh, et qui, euh, oui, c est, c est les, le, disons que le premier marqueur d'une bonne santé de l'âme, c'est la joie pour moi. Oui. Mmh. Et, et le rire va avec la joie. Mmh. Oui. oui, et on, les, 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 les pères, en fait, ont tout un tas d'apothèques, donc ils sont un peu des. des des, des, à la fois des aphories, des petites oui. histoires, etc. au et drôle, très rire, souvent oui drôle, oui, oui, oui. oui les voilà. oui, euh, euh, pères étaient des marrants, en fait. Euh, <laughs> oui, ils étaient à la fois euh, très très ascétiques un peu austères, et, oui. et, et très austères, oui. et, et à la fois euh, très très drôles. Thomas d'Aquin, euh, qu'on ne peut pas taxer d'être quand même euh, un peu de la, la gaudriole, oui. euh, euh, prescrivait euh, vraiment, justement, euh, euh, et, et, et condamnait quelque part les gens qui étaient tout le temps sérieux, qui ne qui ne souriaient jamais, qui ne voulaient jamais alléger l'atmosphère, etc. C'est-à-dire que le, le, le rire est quand même bon pour l'âme mmh. le rire est bon pour l'âme voilà. donc c'est à la fois une c'est façon de dalléger le fardeau hein euh, et donc, il y, y a beaucoup de prescriptions, d'ailleurs, dans toute l'histoire de l'Église, hein, je parle de Saint Thomas d'Aquin, mais, mais d'autres après lui, mais, mais les pères, d'ailleurs, avaient des apothèques euh, très drôles, enfin, euh, je ne sais pas si on a le temps d'en raconter, enfin, en vous juste, en trouverez si on en a juste Justin, on a juste le temps. Alors, juste <laughs> le temps, voilà, c'est un, un, un frère qui, euh, euh, qui, qui demande à un de ses frères, tiens, comment est-ce que tu as trouvé euh, l'homélie de, de ce matin, là, du, de, de, de Abba Antoine Et l'autre qui lui répond, euh, Abba Antoine, eh ben, il a aussi bien parlé que Abba Marc. Et l'autre qui dit, mais pourtant, Abba Marc, il, il prêche très très mal Oui, ben justement. Voilà. Bon, par exemple, voilà. il y en a beaucoup des comme ça, euh, voilà, qui sont encore plus drôles. Voilà. Alors, je vous rappelle les deux titres de, de, vos, de, de vos deux livres. donc Alexandre, Alexandra Pepin-Portali, Le mal à l'âme, l'acédie de la mélancolie à la joie, c'est paru aux éditions du CERF. Et puis, Jean-Guilhem Xéry, La vie profonde, la santé spirituelle au quotidien, et c'est aussi paru aux éditions du CERF. Merci beaucoup parce que ça fait du bien dans ce, dans ce moment un peu compliqué, votre, votre présence et, et cette, dernière, cette dernière note sur la joie, je trouve que c'est une excellente manière de monter vers Noël. Merci vraiment Merci à tous vous. les deux. Merci, Merci de nous. nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine. thank <music> you